KIA FM. Voici le signal horaire officiel de l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Au début du trait prolongé, il sera exactement l'heure juste. L'heure juste avec Samuel Labrec et Louise Petitgros. Alors, bienvenue à l'heure juste, l'émission de la REC sur les ondes de CKIA FM. Toujours avec moi, Louise Petitgros. Louise, salut, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va très bien. Avec le retour du beau temps, ben, ça nous rend plein d'espoir et de joie. Ben, je vois à ta casquette, à quoi t'occupes tes temps libres, toi, hein? Ça sent bien. Pour les gens qui ne voient pas, tu as une casquette des Canadiens de Montréal. Effectivement, ce qui n'est pas souvent la meilleure chose à porter vivant à Québec, mais on rappelle que je suis de Sherbrooke, donc je suis un fan des Canadiens depuis mon tendre enfance. Donc effectivement, je suis les séries éliminatoires avec un grand intérêt. Donc, ça sent la coupe, comme on dit. Non, c'est pas vrai, ils vont se faire éliminer en 4. contre Toronto. Toujours l'espoir. Mais oui, effectivement, c'est l'espoir, le printemps, la chaleur, le soleil, le beau temps, puis les vaccins qui vont bon train. Mon rendez-vous est le 30, hein, moi, le 30 mai. Enfin, on va pouvoir se voir en présence sans que j'aie peur de toi. Oui, tu vas peut-être avoir peur de moi, même pour d'autres raisons, je ne sais pas, ma moustache, je ne sais pas. Puis oui, effectivement, on va pouvoir prendre notre belle photo de toi puis moi pour l'heure juste qu'on n'a jamais pu faire depuis le début de la pandémie pour promouvoir notre émission. Fait que ça, j'ai très hâte à ça. On va remplacer les gens qui annoncent l'émission là, avec la grosse radio, puis je ne sais pas quoi, les deux personnages. Mon monsieur tatoué, moi je l'aime, mon monsieur tatoué. À cet âge-là, je veux avoir l'air de ce monsieur-là. Ben oui, ça va être toi. Puis moi, on va remplacer ces deux personnages-là. Il faut que j'aille me faire tatouer. Wow. Oui, effectivement. Fait que là, on a un gros menu pour l'émission d'aujourd'hui. On a un menu prendre un café avec Stéphanie Trudel, qui est notre collègue qui s'occupe des adhésions des membres, des nouvelles adhésions. On se rappelle qu'on a 60 000 membres à travers le Québec. Donc, cette personne-là a beaucoup de pain sur la planche. Donc, on va en apprendre plus sur elle, qui ça fait pas longtemps qu'elle est à la REC. Là, ça fait un petit peu plus d'un an, puis elle a travaillé la grande majorité du temps en pandémie, fait que nos membres n'ont pas eu souvent l'occasion de la rencontrer. Puis par la suite, on va parler de la préparation du congrès qui cette année va être virtuel, en raison de la pandémie, bien sûr, pour respecter les mesures sanitaires. Donc, on va parler avec Dominique Provost, puis Annie Brochu, de comment qu'on se prépare justement à ce fameux congrès virtuel-là, après un an là, qu'on a ajouté au triennat précédent. C'est un défi. Ouais. C'est tout un défi, effectivement. Puis on espère être à la hauteur. Je pense que ça va être intéressant. Donc, on va voir avec eux de quoi qu'on va parler dans le congrès, puis comment qu'on s'organise à ça. Si on a du temps, on va peut-être passer une petite première capsule des membres du CE. On va peut-être commencer avec la présidente qui fait un bilan, justement, de ce fameux triennat-là pour le congrès. Donc, sans plus tarder, on va passer à cette capsule. Très bien. Allons-y. Commentez, échangez avec nous via la page Facebook de l'heure juste. Alors, nous sommes toujours à l'heure juste spéciale congrès et on a la chance d'avoir avec nous en ce moment Mme Lise Lapointe, présidente de la REC. Mme Lapointe, bonjour. Bonjour Samuel. Vous allez bien? Oui, ça va très bien et toi? Oui, merci beaucoup. On est au congrès. Comme je disais, l'heure est au bilan. Bilan d'un triennat de 4 années. Je pense que vous en avez vu passer beaucoup en 4 ans. Puis on voulait voir avec vous, c'était quoi un peu votre bilan de ces 4 années-là? Qu'est-ce qu'on peut retenir là? Alors, c'est beaucoup de travail, c'est une première chose que je pourrais dire. Et effectivement, oui, lorsque je suis arrivée à la présidence, j'avais nécessairement le goût de faire en sorte que l'ensemble des personnes retraitées, donc les différentes associations, on puisse unir nos efforts pour marquer davantage de points ou essayer de sensibiliser
sur certains dossiers la partie gouvernementale et finalement obtenir des gains. C'est l'objectif que j'avais. Et finalement, bien, dans les 4 ans, nous avons eu une coalition première pour la campagne électorale qui s'était déroulée, qui date d'un certain temps, et nous avons repris, dans le cadre de la pandémie, là, une coalition 02 qu'on appelle, qui, elle, réclame des États généraux. Coalition pour la dignité des aînés. Donc, effectivement, c'est un très beau travail avec 38 solutions qui est proposé. Oui, vraiment. Justement, là, on est tombé en pandémie. Est-ce que ça a changé quelque chose là, par rapport aux activités de la REC, par rapport aux services? Bien sûr, même si les activités étaient placées sur pause dans les secteurs et dans les régions, même nous, au niveau national, on a dû tout de suite adopter le télétravail et développer une application qu'on appelle Zoom, qui a fait en sorte que toutes nos activités au niveau discussion, rencontre de conseil d'administration ont été tenues et différents projets ont été mis sur place. Je vais penser même que c'est un ensemble de services supplémentaires qu'on a pu offrir aux personnes retraitées de notre association. Alors, je pense à Novum, la possibilité d'avoir une consultation juridique. Je pense aussi à Lire à tout âge qui va s'adresser aux personnes qui sont dans des lieux d'hébergement. Alors, vous avez vu, là, on n'a pas chômé. Au contraire, on en a fait davantage. Puis justement, on n'a pas chômé non plus dans plusieurs dossiers. Je crois que la REC est à plusieurs tables, plusieurs tribunes. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus? Oui, alors moi aussi, comme la plupart des retraités, le pouvoir d'achat est un dossier fort important pour moi. Alors, j'ai travaillé à différentes tables. Je pense à la tribune qui a pris naissance à mon arrivée en 2017 avec le Conseil du Trésor, une première. On n'avait jamais eu l'occasion de discuter à une table avec des gens du représentant du Conseil du Trésor. Donc, le pouvoir d'achat était à l'ordre du jour de l'ensemble des rencontres. Le comité retraite, donc, travaille avec la CSQ finalement, et c'est de déployer beaucoup d'efforts pour réussir à faire avancer ce dossier-là. Malheureusement, je dois constater que la pandémie est venue freiner effectivement toutes les ardeurs là, qu'on avait par rapport à ce dossier-là. Ce n'est que partie remise, il y a encore d'autres années à venir, d'autres démarches qui vont s'inscrire dans le futur triennat et on va essayer finalement, même qu'on peut frapper aux portes dernièrement, on s'est adressé au niveau fédéral. Puis justement, moi, ce qui m'a marqué pendant la pandémie, c'est vraiment votre présence médiatique. Vous n'avez pas chômé. On vous a vu bon, à LCN, à Radio-Canada, plus récemment à Salut Bonjour. Plusieurs lettres ouvertes aussi qui ont trouvé écho dans les médias. Donc, le sujet du pouvoir d'achat est peut-être passé un peu sous le radar à cause de la pandémie et des impacts que ça a eu sur les aînés. Mais vraiment, vous avez défendu les droits des aînés à cause des impacts de la pandémie en voyant ça. Oui, effectivement, le pouvoir d'achat, c'est un dossier qui nous préoccupe, mais il y a aussi, bien sûr, tous les effets de la protection des services au niveau des soins à domicile, les soins en hébergement. La pandémie est venue accentuer certaines difficultés, certaines lacunes qu'on avait déjà soulevées, qu'on avait déjà dénoncées. Et là, vous comprendrez bien qu'on a consacré beaucoup d'énergie, soit par des lettres ouvertes, des conférences, etc., pour être en mesure, justement, de faire en sorte qu'on représente correctement les besoins des personnes, peu importe leur lieu de domicile, que ce soit à la maison, que ce soit en RPA ou en CHSLD. On a essayé de déployer l'ensemble des efforts pour marquer des points aussi et faire avancer ce dossier-là. Puis on réclame la tenue d'États généraux. Vous comprendrez qu'on veut vraiment que la société ait la possibilité d'échanger et de dire ce qu'elle souhaite pour l'avenir par rapport à une réforme de santé et non avoir juste des morceaux qui sont applicables ou appliqués par le gouvernement, mais bien plutôt une vue d'ensemble pour qu'on ait, dans les années qui viendront, un système de santé, excusez-moi, à la hauteur de ce qu'on souhaite vraiment. Merci beaucoup, Mme Lapointe, pour votre temps, puis je vous souhaite un très bon congrès. Merci beaucoup. Vous écoutez L'Heure Juste à CKIA-FM 88.3, la radio urbaine. On est toujours à l'heure juste l'émission de la REC sur les ondes de CKIA-FM et on a avec nous aujourd'hui notre directeur général et la directrice générale adjointe, donc Dominique Provost et Annie Brochu. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Vous?
Oui, merci. Merci d'être là. C'est la première fois qu'on vous a, vous deux. C'est la première fois qu'on a Annie avec nous à l'émission, je pense. C'est ta première expérience, hein? Oui, première expérience radio. Ça te stresse pas trop? Oui, ça me stresse un petit peu. C'est correct, tu vas voir, on est super gentils. On n'est pas comme Paul Arcand. J'en doute pas. Non. Donc, on voulait vous avoir les deux aujourd'hui pour parce que là, on est qu'à quelques semaines du congrès, ça arrive vite, là, le 47e congrès de l'AREC. Puis, il va être assez spécial ce congrès-là parce que ben, on est en pandémie, mine de rien. Fait qu'on voulait voir avec vous là, comment qu'on s'y prépare à ce congrès-là, qu'est-ce qu'il y a à venir. Puis, on voulait voir aussi pourquoi un congrès, c'est quoi, c'est dans une association, à quoi ça sert. Donc, je commencerai peut-être par ça, justement, avec Dominique. Dans la vie associative, là, un congrès, ça sert à quoi? Oui, ben ça sert à beaucoup de choses. D'abord, à élire le conseil exécutif national, donc pour la prochaine période de 3 ans, normalement, 3 ans. Donc, moment important d'élection. Aussi, adopter ce qu'on appelle les orientations, c'est les priorités de l'association pour les prochaines années. Donc, un moment très important, modifier aux besoins les statuts règlements, là, qui est comme la constitution de l'AREC. Donc, c'est le pèlerinage triennal chez le dentiste. Donc, ça, c'est un incontournable. C'est les moments qui sont les plus, je dirais, qui sont vraiment les plus importants. On fait aussi le bilan des activités d'association. De ce qui est fait dans les 3 années précédentes. Donc, c'est un moment, dans les statuts règlements, justement, on appelle ça l'instance suprême, pour rien, le congrès. Donc, c'est un moment qui est très, très important dans la vie démocratique d'association. Les statuts et règlements, puis je suis un millénial, hein, moi, fait que les statuts et règlements, là, je comprends toujours pas, fait qu'on va peut-être profiter de l'émission aujourd'hui pour m'éclairer. Je sais à quoi ça sert, mais je comprends pas jusqu'à quel point, à chaque congrès, mettons, ça peut être un enjeu de vouloir modifier des choses. Pourquoi on voudrait changer des choses dans le statut règlement? Oui, ben, en fait, ça, je pourrais peut-être passer la parole tantôt à Annie, parce que c'est son dossier plus spécifiquement, mais moi, de la manière dont je le vois, les statuts règlements, c'est, ben, je le dis tantôt un peu à la blague, là, c'est comme la Constitution, c'est ce qui régit, c'est le cadre qui régit nos activités, autant au niveau national que régional, sectoriel. Donc, c'est ce qui évite là, qu'on ait des conflits perpétuels dans la tenue de nos instances. Donc, on régule nos activités. Donc, il faut que ça évolue, ça, dans le temps, les statuts. Donc, c'est ce qui fait que de triennat en triennat, on fait des ajustements, mais le document, il y a peut-être 30 pages là, de mémoire, le document des statuts. Les modifications qu'on fait à chaque 3 ans, c'est relativement mineur. C'est juste que le processus entourant ça est un peu lourd parce qu'il faut le faire dans les règles de l'art, puis il faut consulter, il faut identifier des libellés de modifications. Après ça, il faut débattre de ça, il faut supposer le pour et le contre. Donc, par exemple, si on, comme dans les modifications qu'il y a cette année, on change la composition du congrès. Là, on est à 650 délégués. On veut réduire un peu pour passer autour de 400. Donc, ça suppose là, qu'on réduit la taille de chaque délégation. Donc, il y a des secteurs qui sont à l'aise avec ça, d'autres qui sont moins à l'aise parce qu'ils considèrent, par exemple, qu'on va diminuer leur poids démocratique. Donc, c'est okay. Alors, il faut s'assurer qu'on respecte ça. Donc, ça suppose qu'on mène les débats correctement. C'est assez long, puis c'est un peu fastidieux, mais c'est un mal nécessaire. Ça commence tôt dans l'année. Dans nos instances, on a des gens qui sont bons en procédure, qu'ils aiment. D'autres, on n'aime peut-être pas beaucoup ça, mais il y a des gens qui aiment bien ça. Puis, comme tu disais, Dominique, l'association évolue, puis il faut que les statuts et règlements reflètent l'évolution. Quand, par exemple, la composition du membership change, il faut aussi que les statuts et règlements s'adaptent et tout. Fait que c'est quand même important, même si pour beaucoup de gens, c'est pas trop stimulant, disons. Là. Ça, comme bien des choses, c'est un travail de longue haleine qui commence là, sur le terrain. Hein. Je pense que c'est dans les AGS, puis les AGR, ça se parle. Puis ça, avant d'arriver au congrès, c'est quoi le chemin vers la modification, par exemple, des statuts de règlement? Je peux peut-être y aller. En fait, c'est au début de triennat, on reçoit un mandat. Des instances, soit le conseil d'administration, ou un mandat qui va venir du congrès aussi, qui va nous être donné là, au comité des statuts et au comité national des statuts et règlements par les instances. Puis on part le triennat avec ça. Alors
on regarde ce qui est demandé, comment on peut l'adapter dans les statuts, comment on peut modifier les statuts pour que tout le monde y trouve son compte. En fait, depuis deux triennats, c'est un peu ce sur quoi on a travaillé, l'harmonisation, parce que les statuts sont toujours modifiés par section depuis plusieurs années, mais à un moment donné, l'harmonisation ne s'y trouve plus. Alors, ça, depuis les deux derniers triennats, là, c'est beaucoup là-dessus qu'on a travaillé au niveau du processus électoral. Puis cette année, l'harmonisation au niveau des assemblées, finalement, les instances qu'il y a à différents niveaux, là, au niveau régional, sectoriel. On s'est un peu inspiré du national là, pour rendre ça, pour harmoniser le tout. Puis ouais, c'est ça. Fait que là, le Comité national des statuts et règlements fait ses recommandations. Ça peut durer les deux premières années. Là, on travaille en comité. Ensuite, on dépose. On amène au CA ce que le Comité national des statuts propose. Ensuite, bon, le CA passe au... Le CE, je ne sais pas si je dis... Le CE, ensuite au CA. Et puis, pour finalement être présenté au CN de l'automne avant le congrès, là, on présente le fruit des travaux là, du Comité national des statuts et règlements. Et puis, à la suite de ce CN-là, là, il y a une période jusqu'au 31 décembre, là, les gens peuvent nous envoyer les secteurs et les régions travaillent en comité et puis ils peuvent nous faire parvenir leurs propres amendements à ce qu'on propose ou leurs propres propositions de modification. Alors, ils peuvent aller dans tous les sens, là, sur tous les articles. Tout peut être touché là, en autant qu'on reçoive la proposition avant le 31 décembre. Question ça, piège, ouais. Annie, dans le fond, si on prépare le CN d'avant le congrès, l'année passée, quand on avait le CN de l'automne, est-ce qu'on savait déjà que le congrès allait être déplacé? Est-ce qu'on avait déjà comme présenté ça comme étant le CN avant le congrès ou on l'a fait au CN du printemps? Ben, en 2019, tu parles? Automne 2019? Oui, c'est ça, ben, dans le fond, oui. Ben, nous, on a travaillé normalement, là, aller jusqu'à la présentation qu'on devait faire au CN du printemps 2020, parce que là, c'était comme la dernière, c'est le dernier moment, c'est là où le CN recommande ou pas les propositions pour le congrès qui a lieu deux mois et demi plus tard. Mais là, c'est ça. Ça fait partie des choses qui ont été bouleversées. Okay. C'est ce qui fait aussi qu'on s'est retrouvés avec deux documents sur lesquels on travaille. Là. Donc, tantôt, je disais que c'est comme aller chez le dentiste, aller statut. Mais là, cette fois-ci, on fait deux tournées chez le dentiste parce qu'il y a des modifications au 31 décembre 2019, des modifications au 31 décembre 2020, considérant la pandémie. Donc, on a une bonne journée au congrès. Là. Il y a une journée qui va être consacrée au statut. Fait que là, on est en route vers un congrès qui est virtuel. C'est un peu plate parce qu'on avait préparé un congrès présentiel, réel, l'année passée. C'est quoi le plus gros défi, selon vous, pour se préparer à un congrès qui est virtuel, qui est une première, puis probablement une dernière aussi? Comment on s'y revirait par rapport à ça? Ça, c'est le bout qui a été plus compliqué, en tout cas, qui a été le plus gros défi, là, parce que, tu l'as dit tantôt, on est à notre 47e congrès, donc on commence à être assez rodé dans l'organisation des congrès. Je dirais, ça commence un an ou même deux ans avant, normalement, là, puis on met en place tous les comités, puis les différentes étapes. Donc là, ça a été complètement bouleversé. Il a fallu tenir compte du fait qu'on est en virtuel. Comme on est en virtuel, c'est impensable d'avoir l'attention des gens pendant quatre jours complets. Donc, on est obligé de réduire un peu les délibérations. On a quatre demi-journées plutôt que quatre journées. Donc, on a dû mettre de côté certains points comme les conférences, les ateliers, des moments qui sont en tout cas intéressants, importants, là, ou une présentation de dossiers de fond. Là. Ça, on a été obligé de mettre ça de côté. Alors ça, c'est le grand chambardement, moi, du point de vue du contenu, parce que moi, je m'occupe du contenu du congrès, puis Annie s'occupe plus de la logistique. Donc, moi, du côté du contenu, c'est la principale adaptation là, pour tenir compte du fait qu'on a des gens là, qui sont en virtuel, dont la moyenne d'âge, on a eu les chiffres vendredi dernier, là, 73 ans de moyenne des gens qui vont participer. Même plusieurs personnes entre 75-80, même au-delà de 80 ans. Donc, c'est des gens qui, dans certains cas, ont besoin de plus d'accompagnement là, au niveau technologique. Là. Donc, c'est un très gros défi, là, s'assurer que les gens soient capables de participer, intéressés d'abord à participer, mm-hmm. mais aussi capables de prendre part au débat. Donc,
on a été obligé de préparer, par exemple, des capsules vidéo. Ben, obligé, on a souhaité, ce n'est pas une obligation, mais on s'est dit comment on pourrait accompagner les gens. Mais on a préparé des capsules vidéo sur le déroulement des débats, sur les orientations, sur les statuts, sur la plateforme. Donc, les gens vont pouvoir, avant les débats, vont pouvoir regarder les capsules, puis un peu se familiariser avec un congrès virtuel. Donc, moi, c'est les plus gros éléments. Là. Annie, tu peux peut-être compléter là, sur les autres éléments de logistique. Est-ce que ça a un effet sur le nombre d'inscriptions, cette situation-là? Est-ce que vous voyez un effet? Presque pas, Annie. Hein? Je pense qu'on est à 617 délégués sur une possibilité de 640. Peut-être, habituellement, on n'est pas loin de notre maximum de délégués à avoir. Là, il y en a un petit peu moins cette année, c'est sûr, peut-être. Ça peut faire peur là, à des gens qui ne sont pas à l'aise aussi là, d'être sur une plateforme web. Mais le plus grand défi, si je dirais que c'était ça, là, de trouver l'outil qui serait le plus convivial possible pour notre type de clientèle. Puis c'est pas des outils avec lesquels on est habitué de travailler. C'est pas des outils avec lesquels c'est pas des personnes, des collaborateurs avec qui on travaille habituellement, parce qu'habituellement, on travaille avec une salle, des tables, des chaises, des écrans, des micros. Là, on est dans le virtuel. on essaye de faire en sorte que les gens s'y sentent bien, mais bon, reste que c'est un écran. Mais c'est ça. Puis que ce soit simple, que ce soit convivial. Moi, je dirais que le plus gros défi, c'est ça. Là. C'est la plus grosse pression, en tout cas, que moi, j'ai, là, de faire en sorte que les gens, ils trouvent quand même leur compte, là, que ce soit pas lourd. Déjà, comme Dominique disait, qu'on y va à l'essentiel des dossiers, bien qu'au moins, il y a quelque chose qui soit excitant pour eux, là, qui ait hâte de se brancher sur la plateforme. Là, Parce qu'il y a deux, oui, comités, c'est ça, qui travaillent sur le congrès. Il y en a un qui travaille sur le contenu, c'est le comité de contenu. Puis il y a le comité de c'est l'organisation. Comité d'organisation du congrès, là, okay. Sur lequel tu sièges. Oui, c'est ça. Je ne connais pas le nom, mais je suis là des fois. Là, je viens prendre un café avec vous autres. Ça fait toujours plaisir. Mais ouais. Oui, c'est ça. Puis étant sur ce comité-là, c'est vrai que l'ampleur du défi de rendre ça intéressant d'un point de vue virtuel, puis de travailler avec, on travaille avec des gamers, là, des gens qui font de l'informatique, puis qui organisent des shows de gamers, des affaires comme ça. Fait que tu sais, c'est de faire en sorte que notre plateforme puisse parler de statut et règlement, puis je ne veux pas faire de dénigrement, mais tu sais, parler de statut et règlement pendant un couple d'heures, puis que ce soit quand même visuellement attrayant, dynamique, tout ça. Mais tu sais, je suis quand même assez fier à date de ce qu'on a accompli. Là. J'ai hâte que des gens le voient. Là. Mais ça, c'est quand même comme une émission de télé. Là. Ça va être comme un tournage. Ouais, ça va être un studio, en fait. Là, on est au centre des congrès de Lévis, puis physiquement, c'est une grande salle qui va être convertie en studio, comme un studio de télé. Avec une régie à l'arrière, on peut le faire justement parce que c'est un studio, c'est pas une réunion, parce qu'actuellement, on sait qu'on peut pas se rencontrer dans des lieux comme ça, là, pas pour le type d'organisation que nous sommes, mais pour ça, on a le droit, avec un nombre maximum toujours à respecter à l'intérieur du studio, donc régie personnelle de la REC, intervenant, élu, tout ça sur la scène, pour vraiment toujours respecter le nombre avec toutes les mesures, les directives de la santé publique, tout ça. Fait que c'est un défi de taille quand même. Ça devrait bien aller, on est bien entouré. J'ai cherché sur le site le thème du congrès. Je ne l'ai pas vu. Est-ce que il doit être choisi, j'imagine, déjà? Oui, le thème du 37e congrès. Une voix forte dans une société en mouvement. Il y a un logo et un thème qui est associé à ça qu'on a mis visuellement dans le Quad 9 qu'on avait déjà annoncé dans le Quad 9 avant de savoir que ça allait être un congrès virtuel. Puis ça a été dévoilé aussi par la présidente dans son texte du mot de la présidente, où justement on réalisait pas à quel point ça allait être vrai de dire que la REC est une voix forte dans la société en mouvement, mais la société, elle a bougé avec la pandémie, puis la REC a dû s'adapter.
Puis même que dans le logo du thème, il y a deux bulles pour montrer que les aînés s'adaptent à la technologie, comme avec les textos. On était quand même assez avant-gardiste quand on a pensé à ce logo-là. On l'a maintenu, on le trouve très bien. Puis visuellement, ça va être ça qu'on va utiliser aussi pour le congrès, pour la plateforme virtuelle et tout. La documentation, etc. Ouais. Non, effectivement. Qu'est-ce que ça allait dire, Dominique, tantôt? Ben, j'allais dire que, tu sais, je pense qu'il n'y a personne, on ne se le cachera pas, il n'y a personne qui va sortir du congrès en virtuel en se disant « Wow, c'est fantastique, je veux que tous les prochains congrès de la REC soient en virtuel. » L'objectif, c'est de faire en sorte que les gens, qu'on se dise « Bon, on l'a fait, ça a bien été, on était capable de tenir nos délibérations, puis on a hâte de se revoir dans 2 ans, parce que le prochain congrès risque d'être dans 2 ans. On va se revoir dans 2 ans en présentiel, puis on va être très contents. Parce que c'est sûr qu'il manque le côté humain de la chose. Là. Les gens aiment se voir, aiment se rencontrer, discuter dans les corridors, parce qu'il y a des gens qui viennent de partout au Québec, échanger entre eux. Ça, évidemment, on n'aura pas ce contact-là, malheureusement. On n'a pas le choix. Là, c'est pas comme si, même si on voulait, les règles ne le permettent même pas. On ne pourrait même pas se réunir 650 personnes dans une salle. Donc, on ne peut pas reporter sans cesse. Là, on a déjà reporté une fois le congrès. Donc, pour respecter nos statuts, on doit le tenir. Mais on se dit, bon, on va le faire une fois, puis après ça, on espère de plus avoir à le faire en virtuel. Mais au moins, on va avoir réussi à tenir correctement nos échanges. Techniquement, c'est quoi le contenu qui va être traité pendant le congrès? Il y a les orientations, donc c'est les priorités de l'association qui sont normalement pour les 3 prochaines années. Comme là, je le disais, étant donné qu'on a étiré de 1 an le triennat précédent, qui est devenu, je ne sais pas comment on appelle ça, un quadrennat, qui est devenu 2017-2021. Donc là, on va en faire un de 2 ans pour se remettre sur une séquence de 3 ans. Donc, on va adopter les orientations, modifications au statut, on l'a dit. On fait le bilan des activités du passé. Puis un gros morceau, c'est les élections au conseil exécutif. Il y aura, c'est la première fois, normalement, les gens, ils votent là, sur un bulletin papier. Là, ça va être une élection qui va être faite en ligne sur une plateforme, un site web de votation. Ça aussi, c'est une particularité, c'est nouveau. Normalement, nos statuts ne prévoient pas ça, mais comme on est sous le décret du gouvernement qui a été adopté l'année passée par le gouvernement, décret spécial du ministre de la Santé, on peut tenir des délibérations virtuelles et des élections virtuelles en passant outre les statuts des associations. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et là, comme c'est là, on risque d'avoir des élections contestées aussi. Il y a des gens qui se présentent plus qu'une personne au poste. Là. Ça sera confirmé dans les prochains jours par le Comité national des élections. Donc, il faut s'assurer que ce soit fait dans les règles de l'art, puis que les gens soient capables de voter, puis qu'on ait un processus qui soit rigoureux. Donc, très important. En général, c'est un signe de dynamisme. Quand il y a de l'opposition, quand il y a des vraies élections, c'est bon signe. C'est la démocratie. Ouais. La démocratie va parler. D'habitude, dans un congrès, il y a un spectacle qui est offert là, aux membres, aux participants. Est-ce que, de manière virtuelle, on prévoit quelque chose, un spectacle avec invité surprise ou autre? Est-ce qu'on a le droit d'en parler, Annie? Oui, on peut en parler parce que ça apparaît à l'horaire, mais je dirais pas ce sera qui. Je vais tenir ma langue, j'en parlerai pas trop longtemps parce que j'ai comme toujours peur de dire le nom. Mais oui, il y aura un spectacle virtuel. C'est pas tous les artistes qui sont à l'aise avec la formule puis qui acceptent d'en faire. Mais on a fait la demande, puis oui, on va dans ce sens-là. Alors là, ce sera le jeudi là, pour terminer. Comme habituellement, là, la soirée sociale était avant la dernière avant-midi. Fait que là, c'est ça. Jeudi le 3 juin là, à 19h30, on aura un beau spectacle exclusif aux membres de la REC. Ah, c'est cool. Oui, ça devrait être bien. En tout cas, aux membres de la REC inscrits au congrès. C'est ça. Juste aux délégués. Oui, absolument. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Il faut comprendre que ça, c'est une activité de reconnaissance, donc festive aussi pour les gens qui participent au congrès. Normalement, on a un banquet, c'est ce qu'on appelle le banquet. Là. C'est un terme qui m'a fait rire quand je suis arrivé à la REC. Ça me faisait penser à Astérix. souper avec ensuite une soirée dansante, un spectacle, normalement. Malheureusement, cette année, ce n'est pas possible. Alors, on se rabat sur un spectacle. On trouvait que c'est important quand même d'en avoir un pour justement là, avoir une certaine reconnaissance et récompense auprès des gens qui participent au congrès. Là.
quatre demi-journées complètes là, à coup de 4 heures par jour en virtuel. Là, ils vont l'avoir mérité. Ouais. Ils vont l'avoir mérité rendu au jeudi soir. On pourrait ajouter de la danse en ligne, c'est populaire chez les retraités, la danse en ligne. Ça va être de la danse en ligne, mais sur Internet, en ligne. Ouais. C'est ça. Les gens pourront danser dans leur salon, hein, tu sais, en sachant l'heure, pour faire un petit souper, prendre un petit verre de vin, puis arriver pour l'heure, pour le spectacle. Puis... Mais attention à votre webcam, parce que ça se peut que ah ouais? Ça se peut qu'elle soit ouverte. Vous pouvez danser, mais restez habillé. c'est quand que ça commence, ce beau congrès-là? C'est du 1er au 4 juin. En fait, l'ouverture officielle du congrès, c'est le 1er à 9 heures. Et il y aura une période là, où les délégués pourront venir visiter la plateforme puis prendre connaissance là, de ce que ça a l'air là, la veille, entre 5 heures et 7 heures, un genre de 5 à 7 virtuel où c'est ça, les gens pourront s'approprier. C'est quand même quelque chose d'assez simple et on veut que les gens aient quand même... la possibilité d'y aller au moins une fois là, avant l'ouverture officielle. Puis l'ouverture officielle le jeudi, là, on va tout être là pour les attendre, pour faire en sorte que tout le monde rentre. Les personnes vont être il y a un gros bouton aide là, sur la première page. S'il y a un problème, les gens vont peser sur aide, puis il va y avoir des personnes en arrière, des personnes qui connaissent ou des gens de la technique avec les collaborateurs avec qui on travaille qui vont être là pour les aider. Fait. On essaie de tout faire pour que tout le monde soit confortable puis à l'aise avec la façon de faire cette année. Puis on va avoir une couverture du congrès, dans le fond. C'est un peu moi qui s'en occupe, là, mais pour les gens qui ne sont pas participants, pour les membres qui sont intéressés à savoir ce qui se passe, tout ça, je vous invite à suivre l'infolettre. Puis il va y avoir aussi, bien sûr, un texte dans le coin 9 de l'été qui va faire un retour sur le congrès, comme habituellement. Ouais. Si je peux me permettre, Samuel, peut-être dire aussi, ben là, Annie et moi, on est les deux chanceux qui venons parler du congrès, mais il y a beaucoup de monde impliqué dans la préparation du congrès au bureau, là, des personnes qui ont dû se retourner sur une scène, là, parce que comme je le disais tantôt, habituellement on est rodé, mais là, il a fallu s'adapter, là, donc l'équipe au bureau, fantastique, puis aussi les élus ont dû s'adapter, là, par exemple les bilans, je pense qu'ils font des capsules vidéo avec vous, nos élus du conseil exécutif, donc puis la firme qui nous accompagne. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont impliqués dans les préparatifs là, de ce congrès-là pour en faire une réussite. Oui, c'est ça. Je disais à ma collègue Martine aux communications, on s'est rendu compte qu'on fait plus de capsules vidéo et de production que production J. Fait qu'on, on s'est adapté. Mais c'est du contenu le fun, c'est le fun. On fait de la vidéo. Je suis rendu un cinéaste. J'ai réalisé mon rêve finalement. C'est bon. Donc, merci. Puis je vous souhaite bonne continuation dans cette petite route qui nous reste vers le congrès. Puis je nous souhaite à tous et à toutes un très bon congrès. Merci à vous. Merci, bonne journée. Bye. Prendre un café, un thé, avec la rec, belle idée. Toujours à l'heure juste l'émission de l'AREC sur les ondes de CKIA FM et on a avec nous une invitée très spéciale, une membre de l'équipe de l'AREC parce que c'est le moment de prendre un café avec Stéphanie Trudel. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Allô. Ah, ça va bien? Oui, vous êtes aussi? Oui, oui, oh, oui, 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 oui. Mm-hmm. Puis on est content de t'avoir avec nous aujourd'hui parce que t'es relativement nouvelle. Dans le sens où tu es arrivé peu de temps avant la pandémie, je pense que tu es arrivé quand à l'AREC? En janvier 2020. Ouais. Janvier 2020, c'est ça. Fait que tu as travaillé une couple de mois au bureau, puis après ça, on est tous partis en télétravail. C'est quoi ton poste exactement? Parce que je ne connais jamais les titres. Dans le fond, moi, je suis agente administrative là, à la gestion des membres. C'est ça. Donc, c'est ça. Anciennement, c'est Geneviève Plante là, qui était... au poste où est-ce que je suis présentement. Puis Geneviève qui est rendue à la réception. Exactement, oui. Fait que là, dans le fond, tu t'occupes de la gestion des membres, mais tu n'as pas eu l'occasion vraiment d'en rencontrer des membres vu qu'on est tous partis en pandémie. Non, c'est ça. Je suis rentrée en janvier 2020, puis en mars, on allait là, en télétravail à la maison, la pandémie commençait. Fait que pour la plupart, c'est comme la première fois qu'ils voient là, ta face. Ils ont peut-être entendu ta voix. Mais... Oui, ou je pense qu'il avait publié une photo aussi dans la revue Quad 9. Oui, c'est vrai, on avait mis une belle photo de toi puis Laurier parce que vous êtes comme arrivé en même temps à peu près. Exact. Toi, tu viens d'où? T'es né où? T'as grandi où?
Moi, je viens de Québec. Donc, j'ai toujours resté à Québec. Là, j'ai grandi à Québec. Puis, par la suite, dans le fond, j'ai rencontré mon copain. Et là, j'habite à l'île d'Orléans. Ah, l'île d'Orléans. Oui. On s'est installé à l'île d'Orléans. On s'est construit là, en 2013 à l'île d'Orléans. Question que j'ai toujours voulu te poser, moi, c'est qu'est-ce qui t'a amené à l'île d'Orléans? Ben, dans le fond, mon conjoint vient de l'île d'Orléans. Donc, lui, il est né ici. Ses parents, ils ont une ferme là, ici à l'île d'Orléans. Donc, c'est sûr que pour lui, là, dans le fond, il voulait rester ici. Donc, je l'ai suivi. dans quelle paroisse de l'île tu es là maintenant? Moi, je suis à Saint-François. Donc, je suis complètement au bout là, de l'île d'Orléans. Je suis à peu près à 25 minutes du pont là. Oui, c'est ça, hein? Ça fait un bon trajet quand la vie au travail va reprendre dans les locaux, ça va être quand même assez, surtout l'hiver, c'est un peu loin, non? Ça te fait pas peur? Mais ça se fait très, très bien. Là. Je dirais qu'il n'y a aucun trafic. Là. J'y vais, là, ça me prend à peu près 45 minutes de me rendre au bureau, mais sans trafic. Là. Tu fais partie de ces jeunes là, que j'admire, parce qu'on a, tu sais, pas une très grande différence d'âge, là. Mais tu es jeune mère de famille, tu t'es fait construire ta maison, tu es super organisée. Tu as combien d'enfants déjà? Deux. Ils ont quel âge? Ali Rose, elle a 6 ans et James Edouard, il a 5 ans. Wow! C'est cool ça. Fait que, excellent. Fait que toi, tu es une jeune mère, mais avant la REC, là, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, dans le fond? Tu viens de quel milieu? Parce que je pense que tu es passé d'un milieu assez différent là, par rapport à la REC. Oui. Dans le fond, en 2011, j'ai sorti de l'école. Dans le fond, j'ai fait un cours en assistance dentaire. Et par la suite, j'ai travaillé à l'hôpital Laval, anciennement qu'on appelait hôpital Laval. Là, maintenant, c'est l'IUCPQ, donc l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Donc, j'ai travaillé là-bas de 2011 à 2019. Donc, là-bas, j'étais assistante dentaire, donc j'assistais le dentiste. Je faisais aussi la stérilisation, un peu de laboratoire et je m'occupais aussi du secrétariat. Donc, il n'y avait pas là, de secrétaire dentaire qui était là. Il n'y avait pas d'hygiéniste non plus. J'étais toute seule là, avec la dentiste. Puis, dans le fond, la clinique était ouverte 3 jours semaine. Donc, les 2 autres jours semaine, moi, je voulais quand même travailler dans l'hôpital. Là. Donc, j'ai fait mes tests pour être agente administrative. Et là-bas, ben là, j'ai travaillé là, aux archives, à la centrale des rendez-vous, en pneumologie et en cardiologie. Donc, je me promenais un peu partout là, dans l'hôpital. Quand il y avait besoin, ils m'appelaient, puis j'y allais là, 2 jours semaine. Puis, c'est ça. Donc, à la clinique dentaire, là, notre clientèle, là, c'était, nous, dans le fond, on voyait ce qu'on faisait, c'est qu'on voyait les patients avant les chirurgies cardiaques. Donc, surtout les remplacements de valves, là, mitrales, aortiques et tricuspides. Donc, c'est ça. C'est sûr que la clientèle était un peu plus des gens plus âgés. On était aussi appelés à voir là, les patients de porteurs de cœur mécanique. Attends, c'est quoi ça, un cœur mécanique, là? Dans le fond, c'est des patients, dans le fond, que le cœur ne peut plus fonctionner. Donc, ce qu'il faut que, dans le fond, ils sont rendus que la chirurgie, des fois, ne peut pas toujours fonctionner par rapport à soit leur situation médicale, l'âge, quoi que ce soit. Donc, à ce moment-là, ils vont mettre, dans le fond, ces 2 tuyaux là, qui passent à l'intérieur. Il y a une turbine. Donc, quand on met notre oreille sur le torse, on entend vraiment le zzz, on l'entend tourner. Okay. Nice. Ouais. OK. Donc, okay. Les gens, ils ont vraiment une valise en permanence sur eux. Là. Ils traînent leur cœur. C'est une petite machine là, qui traîne là, à la taille. Puis, ils ont des batteries. Donc, ils ont 2 batteries. Puis, c'est super important. Il ne faut pas qu'ils manquent de batteries. Le soir, ils sont branchés dans le mur, si on peut dire. Là. Donc, ouais. Ils ont envoyé aussi les patients greffés. Donc, pas tous, là, mais quelques-uns, là, les patients là, qui viennent d'avoir leur greffe. Là. Donc, avant la greffe, on les voit. Après la greffe aussi, on les voyait un petit peu. Les cœurs mécaniques, ben, on faisait vraiment le suivi. Là, je dirais 90 % des gens qui avaient un cœur mécanique, on faisait le suivi à la clinique. Là. C'était un emploi très varié aussi. Tu rencontrais beaucoup de gens. Et puis, Oui. Si on voyait aussi les patients en soins palliatifs puis en gériatrie. Donc, souvent, là, on allait les voir pour les soins de confort. Là, souvent, les prothèses, on allait ajuster les prothèses, on allait avec eux, là.
C'est pas parce que souvent, quand on parle, Stéphanie puis moi, à chaque fois, c'est fini par moi qui fais une crise de panique parce que je m'invente des symptômes, parce qu'elle me parle de maladies vraiment bizarres puis rares. C'est toujours un plaisir. Là. C'est ton côté Woody Allen. Là. Exactement. Exactement. Ouais, ça, je m'imagine déjà mes tuyaux puis mon petit cœur qui fait bis-bis. Cool. Est-ce que ça te manque des fois de jouer dans la bouche du monde ou d'être en contact direct avec les gens comme ça? Oui. Un peu, mais j'aime beaucoup aussi ce que je fais. Dans le fond, là-bas, c'était vraiment le meilleur des deux mondes parce que oui, j'aimais assister, j'aimais travailler manuel, j'aimais voir les gens. Ce qui était le fun à l'hôpital, c'est qu'on prend le temps avec le patient. Les patients sont malades, fait que pour faire deux plombages, ça nous prenait 2 heures, bien, on prenait le temps de le faire. Comme en bureau privé, souvent, ça va plus vite. T'sais, on a des gens là aux 30 minutes, fait que il faut que ça aille plus vite. Fait que c'est ça qui était le fun, on prenait le temps avec les patients, puis... C'est vraiment diversifié aussi, là. À un moment donné, tu as décidé de t'orienter autrement. Comment tu as entendu parler de la REC? Dans le fond, c'est qu'en 2019, là, ma fille allait commencer l'école l'année suivante, dans le fond, en 2020. Donc là, l'hôpital Laval, qui est à Sainte-Foy, donc c'est très loin de chez moi. Donc, on parle là, de 1 heure sans trafic. Donc, ça me prenait 1h30 le matin aller, 1h30 le soir revenir. Et là, ma fille commençait l'école, donc là, je voyais là, les leçons, devoirs arriver et tout ça. Donc, j'ai décidé de me réorienter un peu. Pourquoi je ne voulais pas continuer dans un cabinet privé en médecine dentaire, c'est par rapport à, surtout, bon, la clientèle n'est pas la même, le travail non plus n'est pas le même. Là, j'aurais été vraiment juste assistante. Là. Il n'y a plus de secrétariat, il n'y a plus de laboratoire, il n'y a plus de stérilisation vraiment stricte comme on était à l'hôpital, puisque la stérilisation n'est pas... pareil là, en milieu hospitalier qu'en milieu privé. Donc, c'est pour ça que j'ai réussi. Dans le fond, j'ai voulu me réorienter et je suis allée travailler 1 an dans un cabinet d'assurance. Donc, je travaillais avec un conseiller financier. Donc, on faisait l'assurance vie, l'assurance invalidité et les placements. C'est puis justement, c'est comment tu as entendu parler de la REC ou comment tu as vu passer ce poste-là? Je me suis jamais posé la question, puis je suis curieux. En fait, ma belle-mère, qui est la blonde de mon père, à l'époque, elle travaille à la CSQ. Donc, elle travaille juste en bas, si on peut dire, là. C'est vrai. De nous à la REC. Donc, c'est elle qui a vu le poste qui était affiché. Donc, elle m'a dit, hey, Steph, est-ce que ça tente... de postuler pour voir, tu sais, si intéressé à voir Donc, à ce moment-là, c'est ça, j'ai envoyé là, mon CV, ma lettre et tout ça, puis par la suite, c'est ça, en décembre 2019, c'est ça, j'avais passé mon entrevue, puis par la suite, là, c'est ça, j'ai rentré en janvier là, 2020. Je me rappelle, je faisais semblant d'aller aux toilettes pour voir c'est qui allait remplacer... dans le fond, c'est Geneviève qui... Ouais, c'est ça, qui allait remplacer Geneviève, parce qu'elle avait décidé d'aller à la réception. Là. C'était fou, c'est parce qu'elle a été là longtemps, Geneviève aussi. Oui. Depuis que tu as commencé, là, c'est quoi les défis, mettons, que tu ne t'attendais pas quand tu as commencé le travail? Y a-t-il des surprises que tu as eues? Dans le fond, c'est surtout la variété là, du poste là, qu'on a. Dans le fond, je m'occupe de plusieurs volets à la REC, donc c'est pas juste une chose. C'est ce qui est le fun aussi. Je dirais le défi, là, c'est plus quand on arrive là, vers juin, juillet, août, est-ce que là, bon, il y a une montagne d'adhésion là, qui arrive. Là. Mais c'est le fun, c'est un beau défi pour moi là, de passer au travers. Puis, t'es jeune et puis je me demandais est-ce que tu aimes travailler avec les gens âgés? Je vois que par ton expérience à l'Institut de cardiologie, tu as déjà eu pas mal, j'imagine, de contacts avec les gens plus âgés, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît là-dedans, qui t'attire ou qui fait que tu te sens à l'aise avec les gens âgés? Mais dans le fond, il faut dire que c'est vraiment ma clientèle préférée parce que avant d'aller à l'hôpital, j'ai travaillé 6 mois, 1 an environ en bureau privé. Donc, c'est là que j'ai fait mes stages, j'ai travaillé 6 mois. Et là, on voyait toute la clientèle. Donc, on voyait les jeunes enfants, on voyait les jeunes adultes, on voyait les adultes, puis après ça, on voyait les personnes âgées. C'est vraiment la clientèle que j'aime parce que j'aime dans le fond leur apporter quelque chose. Je trouve qu'on les aide, tu sais. Ils sont,
sont toujours de bonne humeur, sont tout le temps tendus. Hein. C'est vraiment le fun. Puis même encore à la REC, je trouve ça le fun parce que je suis souvent au téléphone. Puis, souvent, bon, je vais les aider. Bon, là, ils ont de la misère à remplir leur formulaire. Puis là, je dis, bon, mais on va le faire ensemble. T'sais, je vais vous aider. Fait que je trouve que c'est le fun de pouvoir les aider. Puis même si on est au téléphone, je trouve qu'on a une bonne connexion quand même, là, même si on n'est pas là, en personne. Ça prend en fait de l'empathie et puis une bonne écoute, oui. De la bienveillance, oui. Mm-hmm. Oui, l'écoute surtout, oui. Mm-hmm. Oui. Moi, Stéphanie, c'est la personne vers qui je me tourne pour essayer de trouver des membres qui auraient qui veulent être retrouvés par des anciens élèves. On a aidé quelquefois à l'émission Seconde Chance là, avec Marina Orsini. À plusieurs reprises, ils nous appellent pour dire bon, il y a telle personne là, qui est à la recherche de son ancienne enseignante, son ancien ou son ancien prof. Fait que là, moi, j'appelle Stéphanie pour faire comme bon, ben, tu peux-tu essayer de trouver cette personne-là? Elle aurait à peu près tel âge, tel nom, vivrait dans telle région. Puis généralement, en 5 secondes, elle me répond. C'est à la vitesse de l'éclair. C'est bon, ça. Oui, puis que là, on essaie de les mettre en contact avec l'émission de télé ou des choses comme ça. Là. Qu'est-ce que c'est les questions les plus fréquentes que tu entends, Stéphanie, qui reviennent le plus souvent? Au niveau de mon travail, là? Oui, les membres, ouais. Tu discutes avec les membres, quand les membres appellent, ou qu'est-ce qui sont les questions qui reviennent le plus souvent? En fait, le plus souvent, ben, ça va souvent avec les avantages. Donc, quels sont les avantages d'être membre de la REC? Membre de la REC, Stéphanie? En premier, si l'adhésion est faite dans les 90 jours suivant la date de retraite, les gens ont l'opportunité là, de pouvoir avoir les assurances avec la SSQ, donc l'assurance vie et ou l'assurance maladie. Ensuite de ça, on a aussi le nouveau... avec Nouveau, dans le fond, là, les gens ont des heures pour l'aide juridique avec Nouveau. Ensuite de ça, dans le fond, sur notre site Internet, il y a une longue liste là, d'avantages et rabais que les gens peuvent retrouver là, dans certains commerces, comme par exemple l'Unetri New Look, Via Rail, Discount, certains hôtels aussi, là, soit qui vont offrir un pourcentage de rabais ou un montant d'argent. Et par la suite, les gens aussi peuvent, dans le fond, quand la fois ils adhèrent, ils se mettent sur avec une région, un secteur, donc de leur choix. Ça peut ne pas non plus être dans la région qu'ils habitent. Là. Et aussi, souvent, là, ils vont avoir des rencontres, des petits déjeuners, ils peuvent voir des gens, faire du bénévolat s'ils désirent aussi. Les plus syndicalistes savent qu'être membre d'une association qui défend nos droits, c'est un avantage aussi. Et puis ça permet de rencontrer d'autres gens aussi qui partagent nos valeurs et tout. Ouais, ouais. Ça, c'est pas pour tout le monde, mais c'est un élément aussi qui compte, je pense. Et aussi revoir des collègues de travail qui ont peut-être pris leur retraite là, avant eux, donc souvent là... Puis toi, dans le fond, la particularité de ton poste aussi depuis la pandémie, c'est que il a fallu que tu t'adaptes, au télétravail, mais je pense qu'il y a une partie qu'il a fallu ou qu'il faut que tu fasses au bureau pour les envois postaux, des affaires comme ça. Comment ça fonctionne pour ton adaptation télétravail versus bureau? Ça va super bien. Dans le fond, moi, mon travail, il arrive principalement par la poste. Donc, les gens envoient les adhésions là, par la poste. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est que je rejoins là, Annie Brochu. Donc, souvent, elle va me donner la poste et là, moi, je repars à la maison, je fais mes adhésions. Et un coup que mes adhésions sont faites, je dois envoyer des pochettes nouveaux membres avec la carte de membre à nos nouveaux membres. Donc, à ce moment-là, je fais mes envois et je vais à la poste à l'île d'Orléans. Ah oui, et je fais mes envois. Okay. Ouais. C'est sûr que là, parfois, il va manquer du matériel, donc je ne vais pas tout apporter le matériel à la maison. Des fois, on envoie une cinquantaine de pochettes là, par semaine. Donc, souvent, là, une fois par mois environ, là, je vais au bureau, je demande l'accès pour aller au bureau pour faire mes pochettes. Et après, ensuite de ça, je les ramène à la maison. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a un peu plus... de mouvement de ce côté-là, mais ça se fait très, très bien, là, honnêtement. Là, j'ai pas eu de difficultés, quoi que ce soit. Là.
Dans les gens à qui tu parles, est-ce qu'il y a des habitués, c'est-à-dire des gens qui appellent régulièrement et que tu finis par connaître ou reconnaître? Tu sais, parfois, dans ce genre de travail, il y a des gens qui prennent l'habitude d'appeler. Est-ce que c'est le cas pour toi? De mon côté, dans le fond, vu que c'est vraiment au niveau des adhésions, c'est sûr que pendant le processus d'adhésion, oui, je vais souvent leur parler. Mais par la suite, là, souvent, ils ne rappellent pas nécessairement. Des fois, quand ils ont des questions, là, mais c'est un peu plus rare. Dans le fond, au début, dès qu'ils envoient leur adhésion, moi, je fais l'adhésion. Des fois, il manque des petites choses, des informations qui ne sont pas trop claires. Donc, à ce moment-là, je les rappelle. Puis là, des fois, il y a des questions qui reviennent. Fait que là, ils m'en rappellent. J'aurais une question sur l'assurance, quoi que ce soit. Donc, là, on fait un peu d'échange. Mais par la suite, des fois, non. Toujours. Puis conciliation travail famille, famille petit chien aussi, parce que je pense que tu as deux petits amours là. Oui, le petit chien aussi. Ça se fait très bien, honnêtement. Je suis très contente là, d'être à la REC parce que des fois avec du recul, je regarde ça puis je me dis ouais, c'est l'hôpital, c'était le fun, c'était très diversifié, sauf que c'était loin de chez moi, puis les heures de travail non plus, c'était pas... je savais à quelle heure je rentrais le matin, mais je savais pas à quelle heure je finissais, là, tout dépendamment des chirurgies. T'sais, on avait un patient qui était opéré le lendemain, puis qui avait 13 dents à extraire, ben il fallait les faire là. On pouvait pas, même si c'était 4 heures, on pouvait pas finir, là. Faut-il se faire extraire les dents quand on se fait opérer? Non, Oui. Hein? Oui. Donc, c'est dents naturelles, il les perd automatiquement? Bien, ça dépend, là. Si, exemple, le patient allait avoir une chirurgie cardiaque, il devait voir un dentiste. Donc, s'il était apte à avoir un dentiste à l'externe, donc chez lui, près de chez lui, à ce moment-là, il voyait, puis le dentiste remplissait une feuille disant que le patient est correct pour sa chirurgie. OK. Si les gens, exemple, ils arrivaient par DASH parce qu'il allait être opéré vite, ou que les patients n'avaient pas de sous, ou que c'était plus difficile, ils n'ont pas eu le temps d'y aller, bien là, c'est nous qui les voyons. Fait que là, on faisait un examen en premier. Donc, exemple, il y avait un nettoyage, 3 plombages, 4 extractions. Bien là, il fallait les faire tout de suite. Oui, sinon, ils ne passaient pas à la chirurgie. Le chirurgien l'opérateur. Excuse-moi, c'est une parenthèse, dans le fond, de l'entrevue, parce que ça m'a vraiment frappé. J'ai comme eu peur. D'un coup, me disant, si il m'arrive quelque chose, je vais te enlever mes dents. Bon, OK. Non, tu vois, Louise, t'as tantôt de faire une crise de panique. Là. C'est toujours comme ça quand on parle aux gens qui viennent du secteur de la santé. Hein. Oui. C'est toujours quelque chose. T'as bien raison. Mais si les dents étaient belles, on les laissait là. C'était vraiment s'il y avait des problèmes. Parce que les problèmes, comment pouvait engendrer beaucoup de problèmes au cœur. En tout cas, je pense Les nouvelles valves du cœur, ils adorent les bactéries de la bouche. OK. Donc, c'est pour ça. Bon, en tout cas, j'espère que ça a rassuré un peu nos auditeurs et auditrices qui ont rapport à cette possibilité-là. Effectivement. Les bactéries de la bouche qui ont un impact sur tout. Là, je pense qu'on en avait parlé dans un épisode précédent, qui ont un impact même sur l'Alzheimer. C'est assez fascinant. Ben oui, le diabète aussi. Oui, c'est vrai. Ma blonde en avait parlé de tout. Dis-moi donc, Stéphanie, dans les appels que tu reçois, là, je comprends le type d'appel que tu reçois, c'est assez sur des sujets très précis, mais est-ce que ça peut arriver des fois que tu détectes dans les appels de la détresse, parce qu'il y a des gens, tu sais, qui sont très seuls, puis ils décident d'appeler, puis bon, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, je m'occupe aussi des décès. Donc, souvent, là, quand le conjoint, la fille, le fils ou un membre de la famille, la personne décède, bien, souvent, ils vont nous appeler pour nous dire, bon, mon père, ma mère, etc., mon conjoint est décédé. Et là, souvent, là, là on voit que c'est tout prêt, hein, ça vient juste d'être fait. Donc, souvent, là, les gens, il y en a qui sont en détresse. Donc, souvent, je prends le temps de parler avec eux parce que, en tant que pandémie aussi, il y en a beaucoup qui appellent aussi, des fois juste pour poser des petites questions, puis finalement, bon, on part sur un autre sujet, puis là, fait que tu sais, souvent, j'essaie de prendre peut-être un 2-3 minutes là, pour essayer de parler avec eux, c'est voir là, si tout est beau, puis souvent en raccrochant, là, oh, merci d'avoir, de m'avoir parlé, souvent on se sent seul, souvent ils vont me dire, là, tu sais, bon, je suis toute seule dans ma résidence, ou je suis toute seule à la maison, puis c'est difficile. On voit personne et tout ça. Donc, souvent, là, j'essaie de prendre un petit temps là avec eux pour les rassurer puis leur faire une petite joie dans leur journée. Là. Ah, ben, je suis sûr que tu as fait une petite joie dans la journée de Bain du Monde aujourd'hui en participant à notre émission. Merci Stéphanie. Puis j'espère qu'on
on va prendre notre retraite ensemble là, de l'AREC. Parce que tu sais, on est arrivé, moi je suis arrivé 2 ans avant toi, dans le fond. Fait que c'est le fun, il y a comme plein de nouveaux qui sont arrivés tout de suite après moi. Là, je suis content de découvrir un peu qui vous êtes. Là. C'est sûr que là, avec la pandémie, je profite de cette émission-là pour en savoir plus, pour poser des questions. Puis, ben, oui, c'est ça, exactement. Fait que ben, on te souhaite une bonne journée sur ton île d'Orléans. Puis on se dit à bientôt, j'espère, en vrai. Oui, c'était un plaisir de te rencontrer, Stéphanie. Merci, c'est un plaisir pour moi aussi. Bye bye. Bye bye. C'est toujours l'heure juste quand vous écoutez le podcast disponible au ckifm.org et sur iTunes. Alors, c'est ce qui m'a fait à l'émission. J'espère que vous avez apprécié et appris un petit peu plus sur qui est Stéphanie et aussi qu'est-ce qu'on va avoir au menu au congrès. Donc, sur ce, Louise, je te dis à dans 2 semaines. Parfait, on se dit à dans 2 semaines. Alors, bon 2 semaines en attendant. Merci. D'ici là, je pense que je me fais vacciner. Bye. Bye. Ici, c'est KIAFM. Voici le signal horaire officiel de l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Au début du très prolongé, il sera exact.